Bonjour à tous, ici Raven de la Team TK, et là on va se taper le Tamamitsune supérieur. Enfin, si la quête est là. Oui, il y est, j'ai du bol. Oh purée! Oh non! Oh my god! Oh purée! Oh là 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 là! Ouf, oh, 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 oh. Alors, autant la première partie ça va, autant la deuxième avec Rajong, Jinuga, Raknakadaki. Ok, je pense que je vais vraiment souffrir. Là ça va être chaud. Surtout avec le Rajong. Sachant que je vais y aller avec de la foudre, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Oh là 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 là, ça va être l'enfer. Comment je vais faire? Ah oui, alors par contre. On va prendre une fausse piégée et un piège à choc. Parce que ça fonctionne. Ce truc, c'est les pièges fonctionnent dans le truc, enfin dans les quêtes calamités, et peuvent être super utiles pour affronter certains monstres. Je me demande si je vais pas faire un équipement particulier pour mes chats. Un truc tout bête, hein. Ouais, j'ai pas. On va essayer de faire des débris barioses plus. Parce que j'aimerais au moins comme ça lui est équipé. Est-ce que je pense pas que je puisse infliger du sommeil là-dedans? J'ai jamais réussi. On va lui mettre ça aussi, ce sera très bien. J'ai mangé. Je vérifie juste hein, quand même que j'ai bien mangé. Oui, effectivement. Et dans le compendium, il y a. Ah oui, la radiane supérieure. Menace 8 hein, seulement. Hein. Oh, c'est déjà pas mal, mais que menace 8 quoi. Elle est folle de rage probablement à cause des multiples blessures qui recouvrent son corps. Sa queue sécrète un venin mortel, le rugissement d'un monstre supérieur déchaîne sa colère sur les monstres à proximité, les enrageant. Ah oui, d'accord. Oui, oui, bah c'est logique, c'est ce qui. Ok. Et ben, je pense qu'on peut y aller. Je pense que là, ça va être. Ouf. Ça va être compliqué. Il paraît que ce monstre est capable de libérer des bulles explosives tout autour de lui. Explosives dans quel sens? Est-ce que ça veut dire ce que ça veut dire? Ah oui, en plus j'avais même pas utilisé les poussières, c'est dire à quel point j'avais rien foutu. Ok, donc là déjà je suis déjà plus habitué à ce genre de map. Donc ça me plaît déjà un peu plus. J'ignore lequel est parti, mais... Là, on sait jamais. Si en plus ça me permet de faire...
de dire qu'on installe les... un truc pour la forteresse. C'est lui qui est parti. Alors 1, 2, 3. Ah oui, bah c'est celui d'en face en fait. Je pense qu'après il n'y a pas besoin de mettre 40 000 plus quoi. Au moins il y a ça qui a été fait. C'est le Bassarios qui est le plus emmerdant, bien évidemment. Ok, génial. Oh, sérieux, genre le son a pas fonctionné. Oh là là, en plus c'est... Non mais il a déjà défoncé la porte. Quel enfer. Et pourtant ça avait bien fonctionné hein. C'est bien qu'il fonctionne bien. Parfait. Il a même pas pu atteindre la deuxième porte. Camus. On va laisser le Bichaten faire un peu sa vie. Pas trop non plus. Darildo, c'est bien ça. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais... Alors là, le Bassarios, lui, ça va être compliqué. Un petit coup, ça peut aller encore. Oh, le Bichaten! Ouf, yes! C'est lui que je veux. Génial.
parfait. J'suis un peu foiré. Ok. Faut pas gaspiller le piège de mon chat, ça c'est hyper important. Ok, premier ordre repoussé, c'est bien ça. C'est bien, pour l'instant ça se passe très très bien. Ah, le Rajang il attaque directement les forteresses. Enfin les... les canons quoi. Il attaque tout quoi. Abusé. C'est très bien. Je suis pas sûr que ça fonctionne avec ça, donc on va faire comme ça pour l'instant. Ça, on aura des boules de feu tranquilles. On va les régénérer tranquillement. On va rester sur ça. Pour l'instant, la porte n'est pas menacée. Ratna qui s'est ramené là. Ah, deux Ratna carrément. On en a une qui est morte, ça c'est bien. Et bon, le piège a été utilisé par contre. Oh la Ragna. J'ai pas un silopter. Oh dommage. Ça va être super fort ça. Elle est un peu lente par contre. Oh,
On a un Rajang du 2G. C'est un vrai Rajang. Sans dégâts quand même. Oh, ok, la raquin c'est bon, elle a pu faire qu'une attaque. Elle va revenir d'ailleurs. Oh là. Ah bah deuxième bande repoussée déjà. Alors. Bien organiser le truc. Comment j'organise ça, purée? J'ai pas d'idée. Dragonator ici. Ça pourra être utile plus tard. Je pense que Fugen, je peux l'utiliser un petit peu après. Tac, je pense que là on est bien. Il va juste falloir faire attention quand on utilise les techniques. Ah purée, j'ai pas placé mon piège. Là on est bien. Allez, troisième horde. Oh purée, déjà on commence avec les... Ok, parfait. C'est bien passé, j'ai juste fait une grosse connerie de d'utiliser le lien de soi. Ah,
Mais c'est une blague. Ok, Rathalos est mort, ça c'est bien. Ah oui, d'accord. Oh purée, les bulles! Ah oui, d'accord, ok, bonjour. Bonjour le tamin. Ah oui, non mais d'accord, il s'en bat les steaks. Mais les bulles. LOL. Excellent. Putain, mais c'est le Tama perso en fait. Ouf, watch 2. En plus, il donne le fléau explosion. Mince, je viens de faire une bêtise, c'est pas grave. Il pète tout. Ça devrait être utile, ça. Oulala, ça pète. Oh, fléau de le feu de l'enfer. Ah, ça doit être les bulles. Allez, prends ça. Bam, 8000 de dégâts. Oh, t'es ultra vénère, mon gars, hein. Allez, où le sushi? Ouf. Wow, excellent. Allez, Fugen. Excellent, putain, mais ce combat. T'es tellement vénère, Mutana. Aïe, 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 aïe. Oh, comme s'il était pas assez violent comme ça, quoi. Hey, Yomegi. Tiens, ça va te calmer un peu, ça.
Les bulles elles vont tellement vite, c'est abusé. Par contre je prends cher, hein. C'est abusé. La queue. Quitte à me concentrer un peu trop sur la... Oh là là. Et arrête d'être aussi vénère, abusé. Yes, c'est bon. Oh tu t'es pris pour le... Tu t'es pris pour le Tama Persam, toi. Tiens, mange. Voilà, parfait. Ah, c'est dommage qu'on puisse pas les affronter en dehors des quêtes calamité, ce serait tellement ouf. Hein. Oh, une orbe haut, allez vas-y. Ah, j'ai bien mérité celle-là. Excellent. Oh, je suis désolé là, mais... Je prendrai en photo quand il fera son attaque ultime. Oh purée. Certainement le meilleur combat que j'ai fait dans ce jeu à mon avis. Hein. Même si avec la Narva, c'était quand même assez ouf. Hein. Et monstres supérieurs sont super bien réussis. Ouais, rang S en plus, oh, allez. Que demander de plus. Mousse supérieure parfait, comme ça je vais pouvoir améliorer l'arme à fond. Une goutte de ce fluide transforme un désert en paradis à bulles. Excellent. Et ben ça annonce du bon pour le Rathalos supérieur. Hein. Purée. On va juste regarder la description du monstre. Alors, un Tama si puissant qu'il a été élu monstre supérieur, il est fou de rage, probablement à cause des multiples blessures qui recouvrent son corps. Ouais, bah c'est comme... Ouais, c'est comme un truc. Ses bulles et sa queue énorme sont fatales. Le rugissement d'un monstre supérieur déchaîne sa colère sur le tout. Et il est de menace 9. Ça paraît logique en même temps. Donc ça veut dire qu'il est techniquement possible d'avoir un monstre supérieur de encore plus vénère. En tout cas, j'aime beaucoup le design de comment il est, avec le côté un peu grisâtre et violet.
Avec le bleu aussi. Minuto qui ramasse, enfin qui attrape les parchemins au vol. Toujours est-il, c'est que j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et en attendant la prochaine, je vous dis bonne chance.